Et me voilà arrivé à Mexico. De l'amour. La cathédrale de Mexico derrière moi, et puis bah là je suis sur la place du Zocalo, la place principale. Et donc sur cette place on a des marteleurs qui enlèvent les chewing-gums, là vous voyez les petits cercles noirs sur le trottoir. Bah les mecs ils les enlèvent à coups de spatule. Là on a la cathédrale avec son entrée, et juste devant donc on a des mecs qui se déguisent en aztèques de l'époque, avec alors beaucoup de fumigation, de l'encens, des cérémonies chamaniques pour bénir les gens, juste devant la cathédrale. C'est assez délirant. On a même lui qui est assez. On a Maurice avec sa manivelle là. Ça nous fait une petite musique d'ambiance, hein. Vraiment le truc à touriste par excellence, quoi. Et toujours juste à côté de la cathédrale et de la place, on a donc les ruines de. Les dernières ruines de Tenochtitlan. Donc bah la dernière demeure. Alors j'ai peur d'en dire des conneries, mais des Aztèques. Et donc la ciudad de Tenochtitlan. Voilà, qui était quand même. Balèze, hein, pour l'époque, hein, avec donc ses places centrales et ses pyramides. Donc c'est indiqué, hein, qu'il y avait des aqueducs, un système hydraulique hyper complexe pour amener l'eau potable. Voilà, petit coup d'œil sur les ruines d'une partie des temples de Tenochtitlan, avant que ça ne devienne le centre politique, économique et religieux de Mexico, fondé par les Espagnols et Hernán Cortés au XVIe siècle. Eh oui, tout à fait, Romain. Avant que les conquistadors ne pointent le bout de leur lance et ne créent l'actuelle ville de Mexico, dont la zone urbanisée correspond à peu près au périmètre rouge actuellement, eh bien tout cela était peu ou prou un lac du temps de Tenochtitlan, la capitale aztèque. Et ce lac se nommait le lac Texcoco, Tenochtitlan étant situé au niveau de la petite étoile jaune et noire sur une des îles de ce lac. Et les Aztèques, alors, d'où venaient-ils? Ou plutôt, devrais-je parler des Mexicas, hein, les deux noms faisant référence au même peuple. Les archéologues n'ont toujours pas de certitude aujourd'hui sur leur provenance, alors que les Mexicas eux-mêmes ont écrit dans leur codex qu'ils venaient de l'île d'Aztlan, hein, dont la localisation exacte reste inconnue. Elle aurait été située sur une grande étendue d'eau, hein, d'où seraient partis les ancêtres des Aztèques Mexicas avant d'arriver dans l'actuel Mexique. Est-ce que cette île était l'Atlantide? Mystère. Le mot Aztlan se rapprochant phonétiquement d'Atlantide, hein, pourquoi ne pas imaginer qu'il s'agit de la même île? Quoi qu'il en soit, suite à leurs errances dans cette partie du Mexique, les Mexicas Aztèques rencontrent le signe tant attendu en 1325, un aigle posé sur un cactus dévorant une figue de barbarie. L'aigle représente le soleil, tandis que la figue fait référence au cœur humain des sacrifiés, dont sont particulièrement friands les Aztèques Mexicas. Le drapeau mexicain actuel reprend cette vision prophétique, hein, remplaçant la figue de barbarie par un serpent, effaçant ainsi la référence aux sacrifices humains tout en assumant son héritage aztèque. Suite à ce signe, la décision est prise de bâtir une cité, et ce sera Tenochtitlan. L'endroit est hostile, hein, puisque situé sur un îlot marécageux au milieu du lac salé de Texcoco. Les Aztèques vont redoubler d'efforts pour construire une cité irriguée qui se développera pendant presque 200 ans, jusqu'à ce que Hernán Cortés et ses troupes ne débarquent au Mexique en 1519. Hernán était d'abord parti de Cuba pour se rendre sur l'île de Cozumel, hein, où il se verra offrir la fameuse femme appelée la Malinche, ainsi que d'autres esclaves. Je dis fameuse femme, hein, car elle va jouer un rôle très 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 important dans la conquête des Aztèques, par rapport au fait qu'elle parlait la langue notamment des Aztèques, hein, et des peuplades qui s'allieront avec Hernán Cortés. Ensuite, Hernán décide de faire le tour de la péninsule du Yucatán, hein, et de débarquer sur un lieu où il créera l'actuelle ville de Veracruz le 9 juillet 1519. Et c'est de Veracruz qu'il entamera un périple en zigzag jusqu'à Tenochtitlan, la capitale aztèque,
dont il changera le nom en Mexico, peut-être en référence au nom de Mexicas, après avoir vaincu, exterminé et esclavagisé ses occupants en bon conquistador qu'il était. On est donc passé de ça au niveau de la zone sacrée de Tenochtitlan à ça aujourd'hui hein, pour la ville de Mexico actuelle. Les conquistadors ayant conservé le tracé de la plupart des grandes voies de la capitale aztèque. Et maintenant, retour aux ruines de Tenochtitlan et de son musée, à toi Romain. Donc là on a la maquette de du temple majeur avec ses différentes phases de construction. Et donc on a plusieurs temples ou pyramides les unes sur les autres. Et là on voit les différentes échelles comparatives entre les différents édifices de Mésoamérique et du monde antique. Donc la pyramide du soleil à Teotihuacan qui est la plus haute, à 66 mètres. Celle du temple majeur qui était pas mal, hein, à 45 mètres. El árbol sagrado, donc un arbre sacré qui crée la communication avec l'inframonde. Voilà, je sais pas avec qui crée la communication là, l'arbre, mais il est quand même pas bien en point. Hein. Là, on a une superbe agave. Oh, énorme. Juste à côté des ruines. Les bonnes ruinas du Templo Mayor. Et que seraient des ruinas aztecas ou des ruinas mayas sans serpent ou tête de serpent? Bien sûr. Donc voilà, pour 90 pesos, donc 4,50€, vous avez droit à votre petit tour des ruines du temple majeur en plein cœur de Mexico. Alors ça, c'est pas mal dans le genre aussi, hein, le mur des crânes ou le mur des visages. Waouh, impressionnant. Dans cette superbe reconstitution, donc ils ont mis en fait ce que les Aztèques en tout cas, les habitants de Tenochtitlan mangeaient à l'époque. Donc on a des fèves, on a des avocats, des poivrons, du piment, du maïs, bien évidemment. Le fruit du cactus rouge, là, dont je ne sais pas quel est son nom. Avocat, ça là devant, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus ce que c'est. Encore des fruits, du maïs, les feuilles de la gamme, encore du piment, là on a de la courge. Des haricots, c'est à Tamaracuya là-bas. Donc on a là reconstitué ce qu'ils mangeaient à l'époque. Petite visite du centre de Mexico à bord d'un de ces bus rouges. J'avoue que c'est une vue plutôt pas mal. Étant d'aller au musée anthropologique. Alors j'arrive au musée d'anthropologie de Mexico qui a une entrée assez particulière parce qu'il s'agit de la statue derrière moi, là, la statue de Tlaloc, une statue de 7 mètres de haut pour 170 tonnes, donc c'est dire déjà la bestiole, qui a été retrouvée en fait un peu comme le plus gros moai de l'île de Pâques, taillé dans la roche mais jamais érigé par ceux qui l'ont taillé. Et il a été décidé ensuite, il y a quelques années, de l'amener jusqu'ici pour faire la porte d'entrée du musée d'anthropologie. Franchement, impressionnant quoi. 7 mètres, 170 tonnes. Comment ils allaient le soulever, le transporter, sachant que au-delà de 100 tonnes, les archéologues nous disent que le bois, en fait, il craque sous le poids. Donc toujours la même question, hein, sans roue, sans métal, sans fer, comment tu fais? C'est une vraie question quoi. Donc c'est juste la plus grosse pierre taillée de tout le Mexique, alors pas de tout le continent américain, mais pas loin. Le musée d'anthropologie, son entrée, là, quand tu vois la bête, apparemment ce serait un des musées les plus grands, les plus vastes de tout le continent américain. Magnifique, déjà rien que l'entrée, ça donne envie. À peine rentré dans le musée après avoir payé, sur quoi que je tombe, une énorme fontaine. Mais alors, énorme, le truc qui tombe du toit, ah ils ont fait les choses en grand, hein. Ça... On peut pas dire le contraire, c'est muy muy espectacular, muy muy. Alors je vais pas vous faire tout le tour du musée salle par salle, hein, parce qu'il y a des salles qui ne m'intéressent pas du tout. J'étais venu il y a 2 ans, donc je le connais un petit peu. Je vais aller directement
là où je sais que ça va frissonner dans les cerveaux et dans les chaumières. Avec l'un des 17 Tetolmecs qui ont été retrouvés, donc il y en a deux dans le musée, dont celle qui est ici. Celle-là, elle est balèze. Hein. Celle-là, elle est sacrément balèze. Au grand monde, on va prendre la photo. Hein. Cabeça colossale. Et ouais, autour de 20 tonnes. Autour de 20 tonnes, la bébête. Et donc, le deuxième Tetolmec du musée. Moins balèze que celle de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Bah, ils nous disent rien. Ils nous disent pas le poids en tout cas. Hein. Mais bon, voilà, à vue de grosses têtes taillées, on peut partir sur les 5-6 tonnes quand même, hein, je dirais. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on est facilement sur 5-6 tonnes. Donc voilà une des pièces que je voulais absolument vous montrer. Le monument 19 de la Benta à Tabasco. Donc ça dit que le personnage il est proche du serpent et qu'il serait en train de porter un sac d'encens dans une espèce de prière ou de cérémonie avec un casque de jaguar autour de la tête. Mouais. Qui plus est, cette stèle serait la première représentation connue en Mésoamérique hein, du dieu serpent à plumes, à savoir le Quetzalcoatl aztèque ou le Kukulkan maya. Et pourquoi cela ? Eh bien parce qu'on voit, et je vais décomposer la stèle pour que vous puissiez mieux voir chaque partie, eh bien parce qu'on voit, en commençant par l'arrière-plan, hein, ce gros serpent qui a l'air bien en colère et qui porte une coiffe de plumes sur la tête, d'où l'idée du serpent à plumes. Juste devant ce serpent, on voit, ben, je ne sais pas vraiment ce que c'est, hein, d'emblée je dirais un genre d'appareillage qui se connecte au personnage avec entouré en jaune hein, ce qui pourrait ressembler à des écrans. Et pour le reste, je ne sais pas, vos avis sont bienvenus en commentaire. Et pour finir, on a donc un humain au premier plan, assis dans le corps du serpent. Un humain qui serait un prêtre avec ce fameux casque de jaguar autour de la tête, si tant est qu'il s'agisse d'un casque. Et comment les spécialistes savent que c'est un prêtre ? Eh bien, parce qu'il porterait un sac à encens dans la main que je vous ai agrandi sur la gauche. Et comment il sait que c'est un sac à encens, hein ? Eh bien, Maurice, je dois bien avouer que le mystère est entier, mais comme ce sont les spécialistes qui le disent, hein, n'est-ce pas ? Eux, ils voient un sac à encens, mais pourquoi pas aussi un sac à graines, un sac de course, un sac Sewaman, ou tout à fait autre chose, n'est-ce pas? Et pourquoi ne pas imaginer une fonction technologique servant à actionner l'astronef, par exemple? Si tant est qu'il s'agisse d'un astronef. Et pour poursuivre sur ce sujet, il se trouve que ce genre de sac se retrouve également dans d'autres figurines de la Mésoamérique, comme ici, sur ce personnage avec un casque et des ailes retrouvées sur l'île de Jaina, on est toujours au Mexique, mais je n'y suis pas allé, ou encore sur cette autre figurine, un représentant Tlaloc, le dieu maya de la pluie, reconnaissable grâce à ses grosses lunettes. Bon, certes, il a un drôle d'attirail au-dessus de la tête, hein, qui pourrait laisser penser à un appareil technologique, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Dans les deux cas, comme pour la stèle de la Benta, hein, à quoi peut bien servir ce mystérieux sac qui a l'air à chaque fois d'accompagner un personnage qui pourrait donner l'impression qu'il va s'envoler? Le plus étonnant, hein, et les plus avertis d'entre vous savent déjà dans quelle partie du monde je vais maintenant me rendre, le plus étonnant, disais-je, c'est qu'on retrouve ce même genre de sac porté par des divinités ou des rois mi-homme mi-poisson, mi-homme mi-oiseau, mi-homme mi-molette, hein, le tout sur des bas-reliefs en Mésopotamie. Sur les zooms que je vous montre en dessous, hein, on distingue bien qu'il s'agit clairement d'un sac ou d'un panier, qui a d'ailleurs l'air de confection tout à fait anodine. Alors pourquoi autant d'illustres personnages de Mésopotamie portent-ils ce sac? C'est qu'il doit bien être spécial quand même, non? Et pourquoi, sur toutes ces illustrations, le sac est-il spécifiquement porté de la main gauche et que de leur main droite, hein, ils tiennent un cône qui ressemble très fortement à une pomme de pin? Alors, mon opinion, hein, c'est qu'il pourrait signifier un lien avec la glande pinéale, et donc pourquoi ne pas imaginer que ces représentations serviraient à montrer symboliquement que le sac en question ne peut fonctionner qu'avec la glande pinéale, donc avec l'esprit, pour ensuite actionner un dispositif comme celui qu'on pourrait imaginer sur la stèle de la Benta, avec ce lien entre le reptile,
le fait de voler et ce mystérieux sac à la fonction inconnue. Ou alors ce sac n'a rien à voir avec la glande pinéale et une quelconque fonction technologique et ne sert qu'à symboliser un lien avec l'agriculture et l'ensemencement. Pourquoi pas aussi? Si on prend une carte du monde, on vient de voir des sacs gravés sur des stèles ou bas-reliefs qui ont été retrouvés au Mexique et en Irak, hein, un des pays qui constituait l'ancienne Mésopotamie. Mais il semblerait également qu'on pourrait en voir également sur le site de Göbekli Tepe, en Turquie, ou alors en Égypte, hein, sous la forme de la croix Ankh qui est souvent tenue comme un sac. En Inde également, dans le temple imprononçable de Gangaikonda Cholapuram. Et enfin, on trouve également la même forme de ce sac en Indonésie sur les gravures d'un temple sur l'île de Sumba. Ce qui nous fait quand même pas mal de représentations similaires de ce qui semblerait être un même objet pour les mêmes usages à travers le monde, non ? Et si on en revient à notre stèle de la Benta, je ne sais pas pour vous, mais moi spontanément, avec ma logique alternative, hein, je ne peux pas m'empêcher d'y voir un humain casqué dans une sorte d'engin pouvant voler. Un engin qui aurait été fabriqué par des reptiliens, avec des écrans de contrôle et un sac à main en guise de boîtier de commande. Oui Maurice, est-ce que ce serait pas un peu abracadabrantesque quand même ? Donc on voit en 3D hein, que c'est pas du tout la même chose qu'en 2D. Hein. Ça a peut-être une signification, hein, la manière dont ça a été taillé également en 3D. Quand on vient au musée d'anthropologie de Mexico, il faut absolument venir voir cette pièce. Elle est pas très grande, hein, vous voyez, hein, c'est pas très grand. Mais elle est ici, l'original. Là. Ah bah le voilà, est-ce que vous le reconnaissez, celui-là également, je l'avais montré en même temps que la stèle de la Venta, dans un exemple d'un humain qui est dans une espèce de, on sait pas, de capsule, avec au-dessus de la tête, donc une espèce de genre d'oiseau. On a l'impression que sa bouche est reliée au reste d'une espèce de coque. Et qu'il est assis hein, dans une position qui pourrait rappeler un être humain assis dans un hélicoptère. Ah, je suis trop content de l'avoir trouvé. Et pour les archéologues, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une hache, comme c'est écrit dessus. Cette hache, donc, serait de facture Olmec, et comme je le disais dans le musée, on voit un personnage assis dans un genre de capsule qu'il serait en train de piloter avec la bouche reliée à un dispositif et l'oiseau au-dessus de sa tête qui pourrait symboliser une forme de divinité ou tout simplement qu'il s'agit d'un humain qui sait voler comme les oiseaux. Et il n'y a pas qu'en Mésoamérique hein, qu'on peut trouver ce genre de scène. En Nouvelle-Zélande par exemple, il existe un ancien mythe maori qui raconte la légende du dieu Purangawa qui se serait envolé d'Hawaï vers la Nouvelle-Zélande sur un oiseau de feu argenté symbolisé par la statuette que vous voyez sur la photo. Le détail intriguant de cette légende est que lorsque l'oiseau de feu serait arrivé avec le dieu assis sur son dos, toute l'herbe environnante aurait été brûlée. Étonnant, n'est-ce pas ? On trouve toujours le même genre de scène en Égypte avec le dieu Hapi, gravé sur ce bas-relief que l'on peut voir au temple de Philae. Toujours pareil, hein, on retrouve cette même idée de capsule, symbolisée par un serpent, à bord de laquelle le dieu Hapi serait assis, tenant un levier de commande symbolisé par un sceptre ou une croix en qu'on ne voit pas très bien, en renvoyant à l'idée que la croix Ankh pourrait avoir la même fonction que le sac des dieux sumériens ou sur la stèle de la Benta. Ou alors, autre hypothèse, il pourrait s'agir d'une allégorie alchimique qui nous montrerait la transformation intérieure de l'humain qui doit dépasser sa condition animale et accéder à la sagesse du serpent. Pourquoi pas aussi ? Et on a même un exemple qui nous viendrait d'Asie. Alors ça a l'air de facture asiatique en tout cas, mais désolé, je n'ai pas trouvé la référence exacte. Un petit coup de pouce pour trouver l'origine de cet objet ne serait pas de refus. Pour le décrire rapidement, certes on est dans un genre un petit peu différent au niveau de la position du personnage qui n'a pas l'air de piloter, mais il se trouve quand même dans une sorte de capsule reptilienne, hein, ce qui je trouve ressemble aux autres représentations ailleurs sur Terre que je viens de vous présenter. De là à dire que ceux qui ont gravé, peint ou taillé ce genre de scène ont gravé leur dieu en train de piloter un astronef, hein, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement en vous montrant cet homme en train de piloter ce petit hélicoptère. Comme dirait l'autre, toute ressemblance avec des personnages ou des situations ayant existé ne serait que pure coïncidence.
Même chose si je vous remontre cette magnifique dalle funéraire de Pacal et la magnifique reproduction de Manu Alterac hein, qui nous montre tous ces détails en couleur. C'est quand même fou hein, ce génie créatif de tous ces peuples sur Terre quant à leur manière de mettre en scène leurs dieux. À croire qu'ils les ont vraiment vus voler dans des machines fabriquées par des reptiliens, non ? En tout cas, c'est une idée qui me séduit. Retour au musée anthropologique de Mexico pour la fin de la visite. Alors on a la tête de la Venta, on a la grosse tête Olmec, puis comme on est au rayon Olmec, ben, on a forcément les grosses têtes allongées. Alors là, pour le coup, j'ai pas du tout l'impression que ce soit artificiel. Hein. On a les têtes allongées Olmec, hein, dans ces postures un peu particulières. Encore un exemple de baby face, mais là on a tout le baby. Alors, bien charnu, bien potelé, puis cette tête et ses yeux, alors lui il a vraiment la totale de manière bien détaillée. C'est marrant parce que la taille des oreilles également, je sais pas si ça vous fait comme moi, mais ça fait penser au crâne, enfin aux têtes des Moai sur l'île de Pâques. Mais les yeux sont vraiment incroyables. On dirait vraiment un hybride génétique. Hein. Enfin, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est qu'on a affaire à une hybridation génétique. Les yeux en amande. Alors, la tête allongée, c'est peut-être lié aussi à la statue, à la forme de la statue. Mais bon, on a son petit voisin à côté là, qui n'a pas l'air mal du tout dans le genre hein, également. Puis ses yeux et ses tout petits bras. C'est rigolo parce que vraiment, on a le troisième pote. Hein. Alors cette tête allongée énorme. Hein. Alors ça, c'est un crâne allongé artificiel. Ceux-là, je suis un peu plus dubitatif. Après, sur les têtes de certains autres, bon... je pense qu'on peut faire un défilé des têtes de tous ces types. Ah, il y en a une qui est bien connue, celle-là. Il y en a une qui est bien connue, celle-là, elle est très connue. Hein, puisque bah, ça a l'air quand même, même si pour les archéologues, c'est des habits cérémoniels, je sais pas quoi. On peut, pour certains, considérer que c'est une combinaison. Belle pièce de jade également. Ah, ils étaient fans du jade. Hein. Il n'y a pas à tortiller. C'était des experts. Alors apparemment, ils faisaient dans l'incrustation dentaire également. Donc, ils s'incrustaient des pièces de jade dans les dents. Impressionnant, non, quand même. Hein. Est-ce que c'était pour faire joli ou est-ce que c'était pour une autre fonction? Là, on a des exemples de pièces travaillées en cristal de roche. Donc, des boucles d'oreilles, un chat, un crâne de cristal. Donc, ouais, il y a un mini crâne de cristal au musée de Mexico. Et alors, des objets moi que je préfère, que je trouve magnifiques dans ce musée, c'est ce vase en obsidienne qui représente un singe. C'est juste... juste magnifique. Ce vase, il est magnifique. Et alors, pour travailler l'obsidienne, comme dirait l'autre, je te raconte pas. J'aimerais bien que tu me racontes. Hein. Bon, bah alors, tu vas dans la montagne, dans un volcan, tu prends roche obsidienne et puis tu tailles, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau. La coiffe du chef. Donc là, il y a vraiment toujours le jeu de se reprendre en photo avec l'énorme coiffe de plumes. C'est rigolo. Alors, on a la période Maya où on voit ce genre de céramique avec un petit reptilien bien sympathique. Donc là, on aurait apparemment un dieu qui descend, mais on pourrait également y voir un homme fourmi. Vu la position dans laquelle il est, quand même, parce qu'il faut le faire, au niveau de l'acrobatie, quand même. Je sais pas si vous imaginez faire ce qu'il est en train de faire. Et puis, bah, tout en haut, on a quand même l'impression de voir l'arrière-train d'une fourmi.
Moi, ça fait plus penser à un homme fourmi qu'à un dieu qui descend de Don't Zezou d'ailleurs. Voilà, on a une scène un peu bizarre sur cette grosse pierre taillée quand même. Je sais pas si vous voyez le personnage en haut là. Il fait pas très très humain quand même. Hein. Enfin, en tout cas, moi je vois pas un être humain. Et en fait, il est en train de dominer. C'est toute une scène où on dirait qu'il y a les humains qui sont tout en bas là, qui sont en train de discuter, de faire je sais pas quoi. Donc des humains avec des crânes allongés artificiellement. Donc c'est la classe noble, hein, très clairement. Et sur la droite, là, on aurait presque l'impression d'avoir un prêtre. Et on a cet être-là qui a l'air bien à l'aise, hein, vu comment il est assis. Et cette tête-là, mais waouh, trop bizarre, quoi. Reptilien ou pas reptilien? On trouve des personnages avec des caractéristiques génétiques un peu étonnantes, également. Vous avez vu, avec ces bouches démesurées. Donc, qui auraient des attributs de Ekat, là, le dieu du vent. Là, on a le Ekat en question, hein, le fameux dieu du vent. Une drôle de tronche. Une pierre gravée avec le corps humain et les sept serpents qui sortent de la tête. Hein, vous avez la même juste en face. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve exactement la même chose hein, en Inde et au Cambodge, à Angkor Wat, avec... Sept serpents comme ça qui sortent d'un corps humain et qui sont également la représentation de l'éveil de Bouddha. Et donc là sur le panneau c'est écrit que en fait ça fait partie d'un édifice de jeu de juego de pelota, de jeu de balle des Mayas qui manque lors de l'époque Olmec. Alors est-ce qu'il y avait des jeux de balle au niveau des Olmecs? Ils pensent que oui. On avait un sacrifice par décapitation et du coup ça montre là le sang qui sort de la tête une fois que la tête elle est coupée. Et c'est donc associé au joueur de balle. Et avant d'arriver à la pierre du calendrier aztèque, on a cet énorme jaguar. Le gros calendrier aztèque hein, qui est la pièce majeur de toute cette salle dédiée aux Aztèques. Alors évidemment, ça se presse pour faire la photo. Hein. Vas-y, je te fais la pose. Voilà. Fais en sorte que j'ai bien que je soulève la pierre. Oui, 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 madame. Attention, je vais pas bouger. Donc vous avez vu, elle est quand même balèze, hein. Un truc aussi énorme quand même, ça se voit pas tous les 4 matins. Ça fait son peut-être 3-4 mètres de circonférence. Ah, puis quand même peut-être ouais, une bonne dizaine, voire une quinzaine de tonnes. Hein. C'est quand même du gros calendrier et de la grosse pierre. Hein. Eh ben oui, les Toltecs, c'est surtout connu pour les piliers. Sur le site de Tula, où je vais me rendre. Donc ça, c'est donc ce qu'ils appellent des piliers Atlante. La sculpture de l'Atlante, une icône de la culture toltèque. Alors pourquoi ils appellent ça Atlante, c'est à vérifier, mais en tout cas, le bonshomme, il est énorme. Quand tu vois la tronche du truc, il doit faire 7-8 mètres de haut. Et en fait, ce qui marque les gens la plupart du temps, c'est le fait qu'il a une arme, en fait, enfin un genre d'arme sur le côté, qui pourrait faire penser également à un genre de sac, comme on en a pour les sacs des dieux. Derrière lui, donc c'est gravé également. Donc on a cette espèce de cercle gravé avec cette tête. Et puis tout au-dessus, donc, on a des mains et des pieds à trois doigts. Oui, 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 c'est tout ça, très, très tactile. Hein. Donc la main droite, il y a l'arme ou autre chose. Et la main gauche, également autre chose.
c'est sûr en tout cas que c'est super spectaculaire. Et je pense que les gens sont d'accord avec moi. Et bien évidemment, comme dans tout bon musée qui se respecte, hein, vous avez au-dessus de moi là le petit dessin qui montre comment les populations Toltec ou Maya ou Aztec, enfin bon, tout est un peu au même niveau, hein, s'y prenaient pour déplacer des pierres énormes et bâtir leur cité ou leur grande statue. Toujours ce bon vieux dessin très efficace, hein, pour rassurer les gens qu'il n'y avait absolument pas de technologie avancée, du bois, des cordes et vas-y que je pousse quoi, en fait. Et là, une autre statue gigantesque, hein, qu'ils ont retrouvée près de la pyramide de la Lune à Teotihuacan. Donc là, on est sur le rayon de Teotihuacan. Donc alors, je sais pas combien de tonnes ça fait, cet engin là, mais bon, ça doit peser dans les 20 tonnes carrées quoi. Toujours pareil, hein, on a vu le dessin juste avant, comment ils s'y prenaient pour tracter, enfin pour tailler, le poser ensuite sur les rondins, parce que le problème c'est pas tant de le tracter une fois qu'il est sur les rondins, c'est comment tu le poses. Comment tu le poses sur le rondin. Et puis derrière, comment tu le transportes jusqu'à destination, sachant que sur 20 tonnes, ça commence à faire lourd. J'espère que cette visite de Mexico et de son musée anthropologique vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour Teotihuacan. Hasta luego!